Bonjour tout le monde. Oh, ça commence déjà avec la gorge. Je suis sous la clim ici. J'ouvre le vlog. Je le ferme dans la voiture. Alors, hier, on ne le savait pas, il y avait Saint-Patrick Day à la parade sur Fort-Lauderdale. Donc, je l'ai filmé un petit peu. Peut-être 2-3 minutes maximum. Donc, je voulais vous l'incorporer. Je voulais vraiment vous la montrer. C'est top. Franchement, je regrette de ne pas l'avoir eu. De l'avoir raté, de ne pas vous l'avoir montré entière. Mais maintenant, il faut que j'arrive plus à être dans la communauté, voir. Pourtant, j'ai signé tout en ligne pour voir ce qui se passe et j'aurais pu vous la filmer. Mais bon, c'était vraiment juste en bas de la maison et très sympa. Mais on a été à la mer et on a été à la plage, à la poule, à la piscine. Je perds un peu mes mots. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je filme et je n'ai pas filmé. J'ai filmé 2-3 trucs sur Instagram, mais je voulais vraiment vous montrer la parade. Donc, on parle de cette coupe de merde. Avant que je vous parle un peu de tout, parce que j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Je suis allée chez le coiffeur, je ne voulais pas y aller. En fait, j'avais vu une autre place, mais la personne ne pouvait pas me prendre avant 2 mois. J'ai déjà annulé cette dame. Et une dame de la gym a dit, elle est française, elle est super sympa, elle coiffe bien, tatatitatata. J'annule le samedi. Et en fait, donc j'ai décidé d'y aller quand même cette semaine en voulant annuler. Laurent me dit, non, ça va te faire du bien, vas-y, nanani. J'arrive dans le salon, un tout petit truc, t'as même pas de site internet. T'as rien. Elle est super sympa, la dame, mais j'arrive dans le truc. Putain, je me suis créée dans un film des années 60. Bon, elle était un peu âgée, ça c'est pas grave. Mais donc, elle avait 68 ans. J'arrive dans le tout petit truc. Toute la clientèle avait en moyenne 75 ans. Je me suis dit, oh mon Dieu, je vais pas avoir une coupe moderne. Bon, je veux pas être vache, je sais pas parce que t'es âgée que tu fais pas des coupes modernes. Mais bon, quand même, c'est pas où j'ai emmené Stella. On dit qu'elle est super plus jeune, sexy. Le salon, il est d'enfer où je devais aller, que j'ai annulé par pas mal de raisons. Et que j'ai repris rendez-vous avant 2 mois. Et que Laurent m'a dit, non, ça te fera du bien, vas-y, bref. Et t'as annulé qu'elle est super sympa la femme. Elle est vraiment super sympa la femme. Franchement, cette femme Babette est vraiment adorable. Et donc, une fois que je suis dedans, que j'ai le pied dedans, je réalise que c'est un vieux coiffeur de l'après-guerre. Truc technique de l'ancienne. Mais bah, je suis dedans. Donc, je lui dis, bah non, coupe-les pas trop et tout. Donc, elle me coupe. Elle me met des rouleaux chauffants dans les cheveux. Je me suis crue, hein, franchement, dans les années 50. Bon, bah une fois qu'ils étaient dessus, je me dis que c'est pas grave, ça va partir. J'ai été transformée en caniche. Il manquait plus que le séchoir, là. Vous savez, le truc en dessous qui chauffe la tête. Elle a enlevé. Alors, ça m'a fait penser quand je me suis mariée à la mairie où j'avais des belles boucles, des anglaises. Franchement, c'était magnifique. J'avais des cheveux longs. Pour ceux qui me connaissent, qui sont venus, se rappelleront. Donc, je pensais à toi, Hélène. Donc, c'était joli, mes boucles à l'époque, à la mairie. Mais là, franchement... à 50 balais d'avoir les grosses boucles. J'ai l'impression que ça faisait une perruque. Tout frisé, un caniche. Je suis sortie en déprimant. Du coup, j'ai tout retiré. J'ai fait un caca dans les cheveux. Quand je suis rentrée avec ma queue de cheval et mon caca, alors on m'a dit, t'as été chez le coiffeur? Oui, j'étais. Mais ma coupe est horrible. Donc, j'ai relavé, j'ai retiré. Donc, ça donne ça, une sorte de dégradé. Maintenant, c'est un peu mieux. Mais elle n'a pas compris, en fait, qu'aujourd'hui, on les straite, on les tire. On veut des trucs plus lisses, plus plaqués. On veut pas de plein de merdouilles comme ça. Bon, bref, voilà, la petite histoire de trucs. Ma copine, mon amie me dit, t'aurais dû filmer dans le coiffeur, mais elle a... Bah non, j'ai pas filmé, j'aurais dû filmer, parce que c'était comme dans les films des années 50 aux États-Unis. Franchement, j'ai eu l'impression de rentrer dans un sitcom. Bref, mais j'étais pas la vedette, j'étais plutôt le ratage, mais bon, c'est pas grave. Bon, Saint-Patrick Day, le petit coiffeur, voilà ma semaine. Les news, je pars en France... pour 2 semaines, peut-être plus. C'est un voyage qui n'était pas prévu. Donc du coup, voilà, j'y vais, je pars jeudi. J'ai fait un peu toutes les courses pour tout le monde, je pars toute seule. Normalement, comme je vous disais, c'est 2-3 semaines. 2 semaines, peut-être je vais repousser à 3 semaines. Et voilà, donc en fait, j'ai été faire 2-3 petits cadeaux parce que je vais dormir chez ma meilleure amie la nuit d'avant de repartir. On m'amènera à l'aéroport. Donc à chaque fois, j'emmène toujours un petit truc. Je suis allée chez Victoria. Donc voilà, donc je ne vais pas filmer tout le temps que je suis à Paris. Et en fonction de pas mal de choses, je vais refilmer après, je vous montrerai la mer, je vous montrerai tout ça. Mais voilà, c'est un... Voilà, donc j'ai pas trop envie d'en parler. Mais enfin, je vous dirai ça quand je refilmerai. Donc pendant minimum 2 semaines, je vais pas filmer. Donc je n'arrête pas la chaîne, mais il va y avoir un petit peu de calme. Donc voilà, bon voilà, sur ce, je vous fais tous des gros bisous. J'espère que vous, ça va bien de l'autre côté.
Et puis je vous reprends, je vous dirai, en fait, je vais peut-être poster 2-3 petites astuces sur Instagram pour ceux qui me suivent. Et je vous fais tous des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis merci à ceux qui me suivent. Merci à ceux qui sont fidèles depuis le début. Et voilà, donc voilà, je finis le vlog comme ça. Je passe un peu une période un peu difficile, donc voilà, mais j'expliquerai pas plus. On garde le sourire. Enfin, on essaie de garder le sourire. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous. Allez, bonjour. Bon, je vais vous incorporer ça dans un petit vlog, je sais pas dans lequel parce que j'avais pas vraiment prévu de filmer aujourd'hui et pourtant j'étais à la mer et je savais pas qu'il y avait la parade de Saint-Patrick, mais on vient de la mer, on l'a vu, donc on l'a pas eu complète, mais j'avais quand même vraiment envie que vous vous envoyiez une partie parce que c'est trop sympa, tout le monde est déguisé en vert, c'est cool quoi. Donc du coup je vous le montre et je vous mettrai dans le vlog du week-end. Thank you.